je suis à l'origine du projet Piano Océan, un tour du monde à la voile avec un piano à bord. C'est avant tout un voyage de création, c'est un voyage humain. Et qui dit voyage humain dit prendre le temps de la rencontre, de découvrir le territoire sur lequel on arrive, de rencontrer les gens et de les inviter à participer à l'aventure Piano Océan. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'alterner des périodes de navigation. Et de les inviter à participer à l'aventure Piano Océan. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'alterner des périodes de navigation et des périodes de résidence, d'escale, et de vraiment prendre le temps. C'est pour ça aussi que l'itinéraire global de Piano Océan va prendre une dizaine de saisons. C'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui se situe autour des œuvres, autour de la musique, autour du son. Et le répertoire que j'interpréterai à ce moment-là sera en perpétuelle mutation par rapport au voyage qui aura été fait, aux musiques qui auront été rencontrées et créées sur les îles. Par exemple, pour les premières saisons qui vont être la Méditerranée l'année prochaine, la tournée celtique en 2016, la tournée baltique en 2017, et ensuite on changera de continent. À chaque fin de tournée, on va sortir un album qui sera un carnet de voyage. Le premier besoin, c'est du soutien sous forme de, du soutien matériel, du soutien sous forme de mécénat. C'est de l'accompagnement peut-être par de grandes entreprises ou par des grands groupes qui veulent associer leur image à l'image de Piano Océan et aux valeurs qu'il peut véhiculer au niveau du patrimoine, de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Et puis après, c'est de la visibilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire connaître le travail de Piano Océan via le travail de Maric, de faire connaître ce voyage et ces rencontres qui vont arriver. Donc on a besoin d'un soutien de communication, de visibilité.